Bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment exporter vos publications depuis Serval vers Orchid et vice-versa. Donc pour pouvoir exporter vos publications depuis Serval vers Orchid, il faut tout d'abord se connecter dans le portail MyUnil et aller dans Serval. Une fois connecté, vous allez voir toutes vos publications et vous n'avez qu'à sélectionner celle que vous voulez exporter vers Orchid. J'aimerais donc exporter ces 10 publications vers Orchid et je vais donc cliquer sur le bouton Agir et choisir Exporter. J'aimerais juste vous faire noter que cette option Exporter tout ne fonctionne pas avec Orchid, mais BibTeX, HTML et EndNote, mais pas avec Orchid. Il faut ensuite choisir la destination de l'exportation, soit un fichier, soit mon dossier Orchid. Comme vous avez déjà lié votre compte Orchid et Serval, et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller à ce tutoriel. Vous allez voir ici votre numéro Orchid et le nombre de notices que vous voulez exporter. Vous cliquez ensuite sur Exporter et maintenant il va penser un petit moment selon le nombre de notices que vous avez exportées. Après quelques instants, vous allez voir ce message de succès. Et vous pouvez aller vérifier dans votre compte Orchid pour voir si les notices ont été bien exportées. Là, vous voyez dans la partie Works qu'il y a les 10 publications que nous avions exportées depuis Serval. Imaginons donc maintenant que nous avons des publications dans nos profils Orchid que nous voulons rapatrier dans Serval. Comment est-ce qu'on fait? Tout d'abord, il faut aller dans le portail MyUnil et se loguer. Donc une fois qu'on est dedans, on peut cliquer simplement dans le bouton en plus, saisir en haut à droite, et ne pas saisir une notice mais importer des notices. Alors ensuite il faut choisir la source de l'information pour l'importation, soit un fichier BibTeX, soit un fichier EndNote, soit mon dossier Orchid. Il sait évidemment déjà quel est mon dossier Orchid et là je vais lui demander de lister mes publications. Cette liste est divisée en deux sections. La première, c'est les publications à importer, dont Serval n'a pas trouvé de doublon. Et la deuxième partie, c'est les publications dont Serval a trouvé des doublons et donc que nous ne voulons pas importer. Nous allons ensuite sélectionner celles qui nous intéressent et nous allons cliquer sur « Importer les notices ». Vous devriez maintenant la trouver dans vos publications et la voilà. Donc vous allez voir que toutes les publications importées sont à l'état personnel parce que comme ça, vous pouvez, en cliquant ici, les éditer et rajouter des informations si besoin ou rajouter des full text si besoin ou les pousser vers validation. Et voilà comment importer et exporter votre bibliographie entre Orchid et Serval. Merci pour votre attention.